C'est la nouvelle femme forte du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'ancienne ministre Arlette Badoungué-Sang a été élue présidente de l'Union des femmes du RHDP. Une consécration qui a eu lieu suite à l'Assemblée générale élective le 17 décembre. Le processus électoral qui s'y est déroulé a enregistré 6 candidates à l'issue de concertations libres entre ces candidates. Et dans un esprit de militantisme et de fair play, 5 candidates se sont désistées, laissant ainsi en lice une candidate. Il ressort donc l'élection par acclamation de la candidate Arlette Badou et Bouzguetan. 1309 délégués départementales, communales ont procédé par acclamation à l'élection de celle qui dirigera l'instance des femmes du RHDP pendant les 5 années à venir. Les maîtres mots de mon engagement sont le rassemblement et le dynamisme. Oui, chères sœurs, je voudrais souhaiter que nous nous rassemblions davantage pour insuffler une nouvelle dynamique à notre parti. En prévision des défis qui nous attendent, dont le plus important est incontestablement l'élection présidentielle de 2025. La ministre Arlette Badoungué-Sang remplace ainsi Mme Ewi Agnero-Odette, qui tenait les rênes de cette structure du parti au pouvoir depuis 2018.